Yahoo Buddy Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve donc pour la présentation d'un nouveau manga. Alors, il est publié chez Hot Manga. Moi personnellement, honnêtement, alors je pars encore du principe, tu sais que je suis votre grand frère ou votre tonton, enfin voilà, tu vois, un truc un peu protecteur, il faut avouer aussi que je suis tonton, mais honnêtement mon neveu aurait 16 ans et voudrait lire ce titre là, c'est même pour moi, c'est pas une taille. Ça me choquerait pas et je lui dirais ok, tu vois. Donc voilà, en tant que grand frère, lui, moi, tu as 16 ans, il n'y a pas de souci. 14, ça me. Non, hein, il y a chaque chose en son temps, mais honnêtement, voilà. Même la couverture, elle reste très soft, donc ça, je trouve ça agréable et super sympa aussi pour que les plus jeunes puissent, enfin, plus jeunes, 16 ans, puissent acheter le manga sans que les parents soient surpris ou quoi que ce soit. Bon, bien sûr, le titre, Sex Instruction. À un moment donné, voilà, hein, 48 positions. Mais si t'arrives à trouver une solution pour mettre un petit sticker sur une connerie sur le titre au moment où tu l'achètes, ça peut passer crème. Voilà. Et l'arrière, il n'y a rien du tout. Donc, bref. Donc, en ce qui concerne ce manga, c'est un manga qui est sorti, si je ne dis pas de bêtises, en juin-juillet 2023. Nous sommes sur un titre qui date de 2018 au Japon. Donc, ça date quand même il y a un petit moment. Et c'est un manga en plusieurs volumes, je te le mets à côté de moi parce qu'honnêtement là aujourd'hui mon téléphone ne veut absolument pas aller sur internet. Donc je n'y arrive pas, voilà. Donc c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes. Je ne vais pas de faire de, en me déplaçant et tout ça aujourd'hui, j'ai un peu la flemme, l'approche, je suis d'ailleurs assis. Hein. J'ai fait d'autres vidéos pour surtout mes... Voilà. Pour ce qui est des grandes lignes, alors... Joui... Voilà, hein. Voilà le mot, joui... C'est... De concert, oui, avec votre partenaire, 48 positions pour goûter au meilleur du... Voilà. Partez à la recherche de l'interrupteur qui vous permettra de guider votre partenaire jusqu'à l'orgasme grâce aux positions soigneusement compilées dans ce manuel. Découvrez 48 techniques de la plus basique à la plus avancée qui répondront aux besoins de tous les couples. Et c'est marqué public averti. Ce que j'aime bien aussi, c'est que... Alors, je vais essayer de censurer quelques mots, hein, voilà. Mais juste les petits cœurs, je trouve ça mignon. Voilà. On n'est pas sur un truc vraiment brut, 18+, hardcore, mais vraiment sur quelque chose de... Voilà. D'ailleurs, à l'avant, il y a marqué, donc, 48 positions pour faire jouir votre partenaire au coup sûr. Édition illustrée. C'est vraiment l'impression, comme je disais dans l'ouverture de colis, que c'est un kama... Tu vois le livre, là, le fameux Kama. Version illustrée, un peu comme d'ailleurs le manga sur Marie Kondo. Il y a eu un manga sur Marie Kondo qui est la même chose que son livre, La magie du rangement, mais il a été adapté en version roman, en version manga. Donc je pars du principe que c'est exactement la même chose pour moi. On a plusieurs personnes donc, qui ont travaillé dessus au niveau des illustrations du manga. Et même la couverture n'est pas forcément du reste. Voilà, y a un... Donc en ce qui concerne le bouquin, comme je l'avais expliqué, en fait ce n'est pas réellement un manga, c'est plutôt un guide illustré. Donc tu as du texte et quelques petites illustrations pour t'expliquer du coup les premières bases en fait de la relation entre deux personnes. Le truc c'est qu'aussi il est plutôt pas mal en ce qui concerne le titre, déjà parce que 1. Il se lit super vite, donc c'est pas le truc chiant. Et c'est. Moi j'avais peur en fait de le lire en une fois parce que j'avais très très peur en fait que ça soit vite bourratif au niveau des informations, etc. Alors que non, c'est vraiment très intéressant. Alors par contre, oui, c'est un titre principalement dirigé pour des relations hétéro et pas relations par exemple garçon-garçon ou autre. Mais à la fin, et des fois, on t'explique que certains trucs peuvent coller avec d'autres types de relations et on t'explique quel type de relation. Et ce que j'ai bien aimé aussi, honnêtement, c'était qu'à un moment donné, il nous explique certains jouets, comment utiliser les jouets, quel type de trucs faire par rapport aux jouets. Et aussi, alors il y a un petit détail qui m'a un petit peu chiffonné parce qu'en fait, il te montre trois types de jouets à utiliser pour donc le deuxième trou pour les femmes. Enfin, le trou... Le trou qu'on a tous, homme ou femme. Voilà.
Et en fait, le seul truc, je crois, c'est qu'ils n'expliquent pas vraiment, en fait, justement, ce genre de jouet, qu'il faut vraiment. Alors, comment dire? T'as une base, enfin, t'as le jouet, mais il faut que vraiment la partie finale soit vachement plus large que le reste pour que ça bloque, parce que sinon, en fait, ce trou est fait pour respirer, sinon, les trucs, et donc tu pourrais te retrouver avec un jouet coincé. Voilà. Et ce que je ferai, c'est que je te mettrai la chaîne YouTube d'une youtubeuse qui parle de jouets, justement pour adultes, et qui a fait une vidéo spéciale justement pour ce trou-là. Oui, je suis pas du tout à l'aise à parler comme ça et tout ça. Bref, donc du coup, ouais, donc je te mettrai le lien de sa chaîne, plus le lien de cette vidéo-là en particulier, parce que ça, vraiment, c'est vraiment à faire attention, parce que si t'as pas envie de finir aux urgences avec un jouet dans le trou du derrière, voilà. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'à un moment donné, ils évoquent comment le faire à trois. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, parce que voilà, c'est pas très cadré, deux personnes et machin. On parle aussi de le faire à trois et on évoque un petit peu, il me semble, les relations fifi et garçon-garçon. Je crois pas qu'il y a eu beaucoup pour. Enfin, j'avoue, je l'ai lu il y a plus d'une semaine et qu'il s'est passé tellement de choses entre-temps dans ma vie et autres que je suis un petit peu perdue. Mais honnêtement, il était vraiment très 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 intéressant. J'ai eu un giga coup de cœur pour ce titre et j'ai très très hâte de lire les autres volumes. Vraiment, j'ai petite pépite et ça va faire partie de mon top du coup de la fin d'année. Très clairement. Voilà. Donc c'est tout en ce qui concerne cette petite vidéo présentation de Hentai. Elle est assez rapide, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose non plus à en dire. Ce titre-là est vraiment très intéressant. N'hésite pas à me dire du coup si t'es intéressé ou pas. Est-ce que je t'ai donné envie de t'y intéresser ou toujours pas? Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo. Précédente vidéo, Hot Manga, la playlist, la tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Les réseaux sociaux, le compte Vinted dans la barre d'infos, des codes promo, les liens vers mes autres réseaux sociaux de mes autres mondes, des autres informations et donc le lien de la chaîne YouTube dont je te parlais tout à l'heure. Sur ce, bye bye!